Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de Resident Evil 7. Alors, comme je me suis quelque peu énervé au dernier épisode, j'ai décidé pour celui-là de le faire en mode ASMR. Vous êtes au calme, tout va bien, détendez-vous. Bonjour D-Web, je suis parfaitement zen aujourd'hui, tout va très bien, on se détend, tout va bien, respirez calmement, et c'est parti ! Ah, mon dieu, c'était une blague bien entendu, hein. Je vais bien entendu m'énerver, bien entendu. Non, je ne m'énerve pas aujourd'hui, d'accord? Tu vois, j'ai pas tenu 10 minutes comme tu dis. Hein. Alors attends, je vais juste regarder un petit truc vite fait. Avant. Non, c'est un concept, remarque, hein. Ça pourrait être intéressant de faire ce genre de jeu en mode, ouais, en mode ASMR comme ça. Tout. Moi, ça m'irait bien, c'est ce qu'il me faudrait, quoi. Mais je pourrais pas. Donc, que je me remémore. C'est par là que ça se passe, ouais, d'accord. Ouais, parce que comme un idiot, la dernière fois, quand j'ai arrêté n'importe où, hein. Ben oui. Bah, dès que je souffre... Comment ils sont, ça me paraît, mais ouais, c'est hyper fort. C'est hyper fort, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, là, ça a l'air mieux. 1, 1, 1, ok. La prochaine fois, je ferai mes réglages avant. Donc. Mais j'avais même pas vu hier toutes ces petites saloperies, là. Oh, j'ose même pas y aller, quoi. Allez, on se détend, tout va bien. Surtout que là, il n'y a pas de grande surprise. Viens la bébête. Février, c'était quoi marqué? Alors. Donc. Qu'est-ce qu'il faut ? On dirait pour fabriquer une sorte de lance-flamme, mais c'est le lance-flamme qu'on avait vu dans la vidéo où on jouait Mia. Et donc il faut... Ah bah oui, mais bien sûr. On est à l'endroit de la vidéo, c'est ça l'arnaque ? À une autre époque, hein, ça me dit quelque chose, on était arrivé par là-bas, là, ouais, ça me dit quelque chose, ce trou-là. Donc si on veut la vidéo, l'espèce de lance-flamme, il va falloir que l'on trouve la sortie vers le balcon, car si je me souviens bien, c'était dehors qu'on se planquait, là. Donc là-bas, il y a une sale bestiole. Alors attendez. D'accord, là j'ai ça, en dessous j'ai le flingue, là le couteau, au niveau... de mes bédocs. Oh, j'ai mon inventaire plein, c'est peut-être pas une super idée. En combinaison, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me faire une potion ou des munes. Pour l'instant, on va rester comme ça, puis on va voir en fonction de nos besoins. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, cette porte-là? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oui, on peut. She's upstairs, don't go up. Allez au-dessus, n'y allez pas. Bah, on va pas y aller, alors. Hein. Alors, oh, mais il y a plein de saloperies comme ça partout. Alors, par contre...
j'ai ouï dire. Ça doit se relier au final, ces deux endroits. On va aller voir de l'autre côté. J'ai ouï dire que donc quand on le fait en VR, ben on est un peu avantagé, si ce n'est qu'on a le trouillomètre à zéro. Mais encore plus. Mais par contre, on peut incliner la tête, hein, ce qui n'est pas dégueu. Au final, je sais pas si ça change vraiment grand chose au niveau de l'IA. Moi, j'avais cru voir un truc là-bas. Donc, on a des espèces de ces trucs-là, je suppose qu'il faut les flinguer, quoi. C'est un peu la matrice. Et on les flinguera certainement pas au couteau. Est-ce que ça nous attaque, ça? J'essaye. Si on lui fait rien, ça va peut-être rien nous faire. Je suis complètement bloqué, en fait, maintenant, avec ce jeu. Mais complètement. Faut que j'arrive à me détendre. C'est pas la question de la peur, c'est que... Enfin, de la peur de... Cette peur-là. C'est que je redoute le moment où je vais trouver... Un combat. Il y a bien des bugs graphiques en VR. Par exemple, les sous-titres sont bouffés par le décor. Ah ouais. C'est quand même une expérience, j'aurais bien aimé essayer, tu vois. Bon, ça me justifie pas du tout, surtout pour l'instant, c'est que sur PS4, et ça me dit rien d'acheter le casque VR en PS4. Si j'achète un casque de VR, ce sera sur PC. Bon, je tire ou quoi? Bon, ouais, je suis juste à mon point de save, on verra bien. Par contre, je vais peut-être tirer avec ça. Ça fait rien. Ça fait rien, pourquoi ça fait rien? Ça devrait faire quelque chose, non? C'est un peu fort quand ça pète dans les oreilles, non? Voilà, bon, je vais lui donner un coup de couteau alors. Parce que ça, faut le dézinguer, ce machin-là. C'est obligé, non? Ah bah oui, fallait. Oh non, fallait pas. Bon, je sais pas trop du coup. On va affronter des mouches sur ce level. Qui c'est qui me fait mal là en fait? Curieux, je sais pas. Bon, on va tenter un truc, on verra bien. De toute façon... J'ai perdu de la bouboule, des cartouches pour rien peut-être là, ça m'embête. Surtout qu'il y en a partout. Mais foutez-vous les mouches! Ah ouais, d'où l'utilité du lance-flamme d'ailleurs, si on le faut, ça va être une urgence en fait de le trouver. Donc du coup, peut-être qu'il fallait pas les péter tout de suite. Trouver le lance-flamme et après on les crame. Parce que là... Putain, mais c'est fort, ça va pour vous? J'arrive pas à trouver le bon réglage de son. Il y a un truc qui m'échappe. Oui, déjà. Il y a déjà un truc qui m'échappe. On va essayer d'esquiver. Ah.
Ah, mais je t'avais pas vu, toi. Viens là. C'est toi qui me fais mal, ça se trouve. C'est quand même pas les petites merdes, là, qui me font mal, comme ça. Le son est plus fort. Merde. Bon, il doit y avoir une autre astuce. Au flingue. Non, faut absolument, c'est ce qu'il faudrait, c'est trouver le... Comment que ça s'appelle ? Le lance-flamme. Au lance-flamme, on est... c'est bon avec ça. On les crame et on n'en parle plus, quoi. On va tester les différentes armes. Hein, tant pis, on va encore se faire une mort, une morsure. Mais on n'est plus à ça près. C'est pas grave. Parce que les mouches au flingue, j'y crois pas trop quand même. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, je vais la jouer. Je vais la jouer Die and Retry à fond. Puis c'est tout. Comme ça, on va tout tester. On va mourir. Et. Bah, d'ailleurs, on peut y aller. On s'en fout. Donc maintenant, on va mourir. Je me soigne pas. Déjà, ça va nous permettre de trouver la meilleure arme. Voilà. Ça, ça marche bien. Donc, on a trouvé la meilleure arme. Mais qu'est-ce que. Poussez-vous les mouches! Ok, pourquoi il y a un truc là? Ça pop à l'infini tant qu'on n'a pas buté le truc. Poussez-vous! Allez, chez moi! Ah, ça m'éclate les oreilles ce flingue là. D'accord, faut les buter et après c'est bon. Faut les buter et après c'est bon. Ok, d'accord. Non, t'as bien vu, Xarkam, ça va pas râler. C'est une vidéo ASMR. On va très bien. On accepte la mort. On accepte la souffrance. Tout va bien. Détends-toi. Rejoins-nous, Xarkam. Tout va bien. Donc par contre, il faut que, ouais, que je trouve la route le plus rapidement possible pour aller... Oh mince, j'avais oublié. Hop, il est où le dos l'autre? Là. Il en manque un. Il est là. Voilà. Donc là, les saloperies de bestioles, on va les faire avec le fusil à pompe. Donc faut qu'on tue... La... comment que ça s'appelle? En fait, si on bute... Bon, si on boute pas, hein, on va pas le booter. Si on boute pas... J'arrive pas à parler, mais qu'est-ce qui m'arrive? Si ça, on le défonce pas, ça va repoper à l'infini des saloperies. Donc, il faut le défoncer. On va s'approcher un peu. T'es sur les oreilles. Vous me saoulez les bébêtes là. Voilà. Donc quand on tue la mère, les enfants claquent. Par contre on va peut-être pas avoir assez de balles pour aller jusqu'au bout à ce rythme là. C'est pas grave. Notre but n'est pas d'aller jusqu'au bout. Poussez-vous. Vous me faites pas peur, vous savez. C'est fini cette époque. Vas-y, mange. Elle est morte là ou pas? Allez, tuez-moi enfin! Sinon, comment voulez-vous que je m'énerve? C'est le challenge, ne pas s'énerver.
Donc si vous me challengez pas... Ah, des petites places dans mon inventaire. Ah bah tiens, on est embêté. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Rien du tout, très bien. Bon, en toute logique, par contre, il est évident que si je continue comme ça, je vais pas aller bien loin. Je me tâte. Tant pis pour moi. Tu le regretteras peut-être. Oui. Moi, je veux juste le lance-flamme. Et après, venez, venez les bébêtes, venez. Je vous nique. Donc, allez au-dessus, hein, n'oubliez pas. Oh, j'entends... Xarkam, au fait, tu l'as fait, le jeu ? Vous n'avez pas assez de place. Quelqu'un ? Non, peut-être pas. On va pas gâcher. Relève-toi, va. Fais pas ta fiotte. Ethan ? Oui ? C'est moi ? Oh non. Ethan ! N'avance pas ou je te bute. Tu sais, moi j'en ai plus rien à cirer de ta tronche. Hein. Maintenant ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais, tu as raison. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Ah, ah. Ça dérange. J'embrasse maman juste une minute. Non. Arrête pas planté là. Fais quelque chose. Ethan, au secours. Merde. Qu'est-ce que c'est qui est tombé là, un truc jaune? Vous avez vu? J'ai plus assez de place dans mon inventaire. Donc ça va nous servir à faire une ombre. Bon, écoutez, ce que l'on va faire, puisque j'ai plus de place dans mon inventaire et que je peux plus rien combiner. Je peux rien combiner. Non, je peux rien combiner, si. Non, non. Je peux rien combiner. Donc on n'a pas d'autre choix bah, que de refaire le parcours à l'envers. Le Deus Ex Mankind, alors, bien. Bien, bien ou bien? Comme ils disent, là-bas. Donc, bah, on va aller se vider. Fiche le camp! D'accord. Oh my god, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Parez-vous, les belles! Pourquoi je peux pas bouger là? Ah, je peux pas repartir me vider les poches. C'est quelque peu embêtant. Te voilà. Ah. Où t'es? Je la vois pas. Ah oui, c'est vrai que quelque part, je suis plus du tout dans le sérieux du jeu là. C'est plus du troisième degré. Mais ça va revenir, je veux y croire que ça va revenir. Bon là je me tue pour rien. Allez on s'en va. On va voir ce qu'il y a ici. Encore un truc de M. Donc j'ai plus de fusil. Je t'ai dit de foutre le camp. Je fais ce que je veux. Et je peux pas tirer.
C'est trop lol. Ouais. Je sais que je peux pas te tuer maintenant, donc je vais pas essayer de te tuer. Tu dois être le boss de fin, comme ton mari. Sur l'autre niveau. Donc je vais pas gaspiller une balle à essayer de te toucher. Maintenant, elle va s'en aller, je pense. Ça. Allez, avance, qu'on passe à la suite. Bah par contre, va falloir commencer à réfléchir à quel vrai jeu on va pouvoir jouer après. Oh, super. Donc, là, avec ces espèces d'araignées de la mort, donc je suppose qu'il y a des trucs dans la, à prendre dans l'armoire. Il nous faudrait quelque chose pour les éliminer, ces araignées. Donc je peux prendre le risque de les faire au couteau. J'ai plus de mune, donc... Oh, mais dégage. T'es là-haut. Pas pour l'instant. Donc il devrait y avoir un truc dans le tiroir là. À part des cartouches, j'ai besoin de rien. Là-bas, il y a du gel et un autre truc. Bon, la priorité, c'est de trouver le lance-flamme. Ce serait bien par là. Il était dehors, rappelez-vous. Je t'avais pas vu, toi. Tête de mort. Tête de mort. Viens là. Très bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un crochet, bah ça tombe bien, on va peut-être ouvrir les psychostimulants. J'en ai d'autres dans mon coffre des psychostimulants, je pense. Peut-être qu'on pourrait en utiliser un. Donc si on veut le lance-flamme, faut qu'on bute encore ce bidule de crotte là. Sûrement. Oh, il est pas là-bas, plutôt le lance-flamme. Dans l'autre pièce. J'en ai bien pouf. Il serait bien puisqu'il était dehors dans mes souvenirs. Il serait bien là-bas, ouais. Shit. Ou on essaye de passer par l'autre côté. Bon, tant qu'on est là, on va aller voir là-bas. Mais il doit falloir une clé spéciale. Je pense que là, je peux passer... Qu'est-ce qu'on a ramassé, là? Bonjour! Une boulette à huile. Ah mais non, c'est pour fabriquer le... Ah bah finalement, vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire. Bah dis donc, c'est génial parce que mon inventaire, je peux pas le vider. Donc je fais comment, hein? Je suis obligé de repartir là-bas. Si je peux fab... Parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris... Je suis un peu bête, désolé. J'ai toujours pas compris comment je sais si je peux fabriquer quelque chose. Ouais, c'est s'il y a le plus... sur un des composants, c'est qu'il me le manque. Donc par exemple, là, je peux faire des balles et je peux faire un... comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste exactement? 10 balles, 0 cartouche. Bon, je pourrais me débarrasser du fusil. Des stéroïdes. Ah, mais j'avais même pas percuté, en fait, les améliorations doivent rester sur notre inventaire. Donc ça nous prend une place de plus. Ah, c'est la chiotte, ça. Bon, très bien, on a un injecteur. Et ben, on le prendra un jour, peut-être.
C'est ce qui doit servir donc pour construire. Finalement, il va pas être le... Comment dire ? Le lance-flamme, il va pas être là où on l'a vu dans la vidéo. Il va falloir qu'on se le construise. Très bien. Très bien, très bien. On pourrait s'attaquer à sa coute. Non, on va aller buter les... On va aller buter les... Je veux dire les fourmis, les araignées. Qui nous empêchent de ressortir. On va ressortir. On va aller... T'es encore là, mamie Tremblant? Allez, va te cacher. Bah. Si je pense à la porte, elle me suivra pas, quoi qu'il arrive. Donc, pas de panique. Vous m'embêtez, vous. J'ai vraiment même plus une petite cartouche là-dedans, rien. Si je fonce, peut-être que je peux foncer au travers. Allez, on essaye. Non, on peut pas. On peut pas. J'aurais été bienvenu. Ça sert à rien non plus. Donc clairement, alors, là j'ai quand même un problème. Je peux pas ressortir. J'ai mon inventaire plein, je peux pas faire le lance-flamme. Donc que veut le script ? C'est la question. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Vu que j'ai des trucs à ramasser, mais je peux pas les ramasser. Là c'est pareil, j'avais des trucs à ramasser, mais je ne peux pas les ramasser. Par là, ah oui, il fallait peut-être suivre par là, tout bêtement. Non, on peut pas aller par là. Ça, je peux pas prendre, j'ai pas de place dans mon inventaire. Je vais bouffer des psychostimulants, même si j'en ai pas besoin, histoire de dire, bah voilà, comme ça, je vais me faire une petite place. Peut-être on va faire ça, non? On va faire ça... Peut-être qu'il fallait partir de l'autre côté. Ou alors, faut contourner mamie et passer là-bas. Ouais, possible. Des cartouches de... Mais je peux pas les prendre. Je peux rien prendre. Alors, je vous propose... que nous avons besoin de nous détendre, de mourir. Est-ce que ça vous plairait que l'on meure? Comme ça, on pourrait recommencer du début, prendre d'autres choses et faire de la place dans notre inventaire. Peut-être la technique. Intégrons la mort. Vous n'avez pas de place dans votre inventaire. Salut, mamie. Allez, viens me buter. Ouais. Vas-y, bute-moi si t'as envie. Je m'en cure le zen. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Le script est fait pour ne pas franchir la porte, hein. Tes mouches à crotte, elles restent à l'intérieur. Je peux pas sauter pour nager ? Bon, allez. Là, la seule chose qu'il faut que je fasse à présent, c'est faire de la place dans mon inventaire. Pour ça, il faut que je retourne là-bas. Ou dépenser des trucs que j'ai dans mon inventaire inutilement. C'est une autre solution. Je sais pas. Vous votez quoi ? De la poudre à canon ! C'est tellement génial. Moi, je sais que je fais le blasé, mais je suis blasé. J'ai presque envie, pour le prochain jeu, de continuer Mass Effect, faire le 2. Un vrai jeu, quoi, pas un truc... Bon, allez, tu nous, mamie, je m'en fous, je rush. Allez, on y va à fond. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Moi aussi, très bien, c'est génial, merci. Le plan de la vieille maison, c'est super. Allez, on y va tout à fond. Après tout, peut-être que comme ça, ça passe. Donc là, on peut pas, puisqu'il faut qu'on ramasse le bidule, le fusil qu'on peut pas prendre parce qu'on ne l'a pas. Après, où est la sœur Bormor? C'est pas mal de rusher, ça a l'air de marcher. Ce n'est pas prévu dans le script. Et puis, on a même trouvé une caisse. Pff, c'est génial.
Ah, mais quelle misère, ce truc. Quelle misère. Donc, qu'est-ce qu'on va relâcher? Le Sioux. Le Sioux, il nous intéresse pas, le Sioux. Les stéroïdes. Bon, le pire, c'est que j'ai pas grand-chose à relâcher. Le fusil, il nous sert à rien, le fusil. Ouais, hop. Oui, je sais qu'il est utile, mais moi, je m'en sers pas. Oui, je sais que ça, on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave. Oh ! Mais alors ça, c'est génial ! Bravo ! C'est un concept aussi, ce type de vidéo. Le type de vidéo en mode dégoûté du jeu. C'est peut-être pas la ASMR prévue, mais c'est intéressant. C'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire, on peut faire notre save. Save me. Avant qu'il soit trop tard. Allez, on va faire une petite save. On l'a fait en marche arrière. Oui, je vois qu'il y a du monde sur Twitch. Bonjour à vous. Et pour, si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, j'essaye de retrouver du plaisir à jouer à Resident Evil. J'en ai eu beaucoup au début. Et le combat avec le papy m'a blasé. Complet. Et depuis, je vois que des scripts partout. Je ne vois plus de trucs intéressants. J'ai envie d'aller me noyer. Allez, j'y vais. Non, je peux pas. Bon, allez, on va prendre le bazooka. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas, le bazooka? Pas encore. Parce qu'on n'a pas tous les éléments, je suppose. On a le brûleur. Donc, l'autre morceau... ça sert à rien, j'ai pas de mun. L'autre morceau, il était... Attendez, il doit y avoir des trucs par là, quand même, que je fasse pas non plus trop n'importe quoi. Non plus trop n'importe quoi. Mamie ? Où est-ce que t'es, mamie ? Des munitions de pistolet, je m'en fous. Moi, j'en veux pas, des munitions de pistolet. Moi, je veux des cartouches pour mon fusil parce que j'en ai plus. Et que si j'en ai plus, je pourrais pas continuer le jeu. Et oui. Donc là, il faut qu'on retrouve l'araignée qu'on l'a vue tout à l'heure, je sais plus où. Mais on va la recoller là. Bon, allez, on court. On rush encore. On va lui passer entre les dents. On va nous lâcher ses petites mouches à crotte. Voilà, la roue. Pousse ça, mamie. Alors là, il suffit de courir. Hein. Le script fait que les mouches ne nous suivent pas au-delà de la porte. Oh, merci, toi aussi. Donc, ne gaspillez pas de cartouches. Ça ne sert à rien. Bonjour. Au revoir. Est-ce qu'on a toutes les pièces? Je ne sais plus. Par contre, quand on va pouvoir les cramer, là, on va rigoler. Nya, nya. Est-ce qu'il y avait autre chose à récupérer ici? Je ne sais plus. Combiner les éléments. D'accord, faisons notre brûleur. Donc, il faut un injecteur que l'on va combiner avec un brûleur. Et au miracle, nous avons le... Alors, par contre, je ne sais pas à quel point... à quel point ça s'use vite. On pourrait peut-être essayer sur le bidule, là. Oh, que c'est beau. Donc, encore une fois, chaque level, chaque niveau a son boss. D'accord? Je crois que c'est ça le principe, hein, puisque j'en ai fait qu'un, un demi, deux, je sais pas. Un demi, j'en sais rien. Donc, n'essayez pas, comme là, par exemple, avec la grand-mère, n'essayez pas, enfin, la grand-mère, la femme, là, n'essayez pas, si vous faites le jeu, de lui tirer dedans, de l'affronter, parce que c'est pas tout de suite qu'il faut le faire, c'est à la fin. Hein, ça marche toujours comme ça, ce jeu. Donc là, si vous essayez de l'affronter, vous allez perdre des munes, c'est tout. Je vous le dis. Ah bah alors ! Ah oui, ça marche. Oh, que c'est efficace ! Ça va, on perd pas trop. Bon, par contre, alors, ces machins-là, faut les cramer en entier, sinon... Ouais, d'accord, ça marche. Ça marche bien, ça marche bien. Poussez-vous les mouches. J'y vais au couteau, moi, je suis un fou. Ils vont te tuer, mais c'est pas grave. J'aime la mort. Ah, ça suffit quand même.
Ouais, ça s'use hyper vite. Je t'exaspère. Bah, dis-moi, enfin, je comprends que je t'exaspère puisque t'as l'air plutôt fan du jeu, mais comprends aussi que moi, je ne suis plus du tout fan du jeu. Quoi. Je le fais parce que ça m'embête de laisser un jeu en plan, mais. Mais voilà quoi. Je le fais parce qu'il faut le faire. Bah, c'est... Est-ce que ça sert à quelque chose que je l'affronte, là, la bonne femme, la mère ? Dis-moi oui ou non. Ça sert à rien, on est d'accord. Donc voilà, c'est pas une blague ce que je raconte. Ça sert à rien. Là, mais enfin, je vais pas recommencer hein, comme hier. Mais moi, ça m'embête vraiment. Mais c'est vrai que là, je suis super mauvaise foi et tout. Je reconnais. Mais voilà, c'est. Je suis tellement déçu. Tellement déçu. Ah bah si, j'avais récupéré des cartouches de fusil. Bah dis donc. Ah bah donc, on va pouvoir buter un nouveau truc. Ah bah, c'est bien fait. Ça va nous ouvrir un truc, forcément. Bon, allez, d'accord, j'essaye de jouer sérieux. Le problème, c'est que j'ai du mal à jouer ça. Donc, elle va arriver. Il suffira de sortir. Ah non, les portes se ferment pas, donc ces saloperies de mouches vont nous suivre. Essayer de prendre. Oh, on pourrait cheater un peu en marque. On pourrait prendre les psychostimulants pour repérer où sont tous les trucs, aller reprendre, refaire la save vu qu'on est à côté. Comme ça, on aurait l'effet sans avoir dépensé au final. On saurait où sont les trucs sans avoir rien dépensé. On l'a rusé. Quoi, tu me fais ouvrir une porte? Ah. Et y'a rien dedans, mais... Et encore ces artefacts graphiques là, c'est bizarre, je sais pas ce que c'est. On le voit bien sur le mur là. Oh, vilaine bête! Voilà. Donc là on court. Du combustible, comme ça on pourra cramer un peu plus. Bonjour. Te voilà. Oui, je suis là. Lâche-moi tes moumouches. Bonjour, c'est pour une save. T-Web, j'ai un défi pour toi. Tu me fais le jeu qu'avec le couteau. Et là, je construis une statue en pâte à modeler à ton effigie et je la pose sur mon bureau pendant un an. Oui, monsieur. Moi, je peux faire ça. Attendez, désolé, j'ai toujours la gripouille. Donc, il me faut me moucher. Allez, un petit footing, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Hé, je suis là! J'aimerais bien lui donner un coup de couteau, juste pour rire. Allez, on y va. Oui, je sais, ça sert à rien. Mais... Ah. Tiens.
Oh, j'ai autre chose à faire qu'à te regarder. Hein. Très bien, pauvre petite merde. Cette oui. fois, j'en ai assez de toi. Très bien. Bah viens, je t'attends. Je suis prêt. Au couteau. Bah alors. Ah, elle m'attend. Bah non, tu m'attends pas. Je suis fâché avec ce jeu, donc tant qu'il me fera chier, je le ferai chier. C'est comme ça. Ah, te voilà ! Allez, envoie-moi tes moucs. Bah, je sais bien que je suis bête, mais je vais pas venir quand même. J'ai pas envie de me faire bouffer par tes mouches et je peux pas te tuer, donc... J'attends que tu t'en ailles. Coucou ! Ou je la pousse à la flotte. Hop, on sort, les mouches ne suivent pas. Hein. Donc pas de panique. Bon, j'avais dit que je me mettais à jouer sérieusement. Allez, on joue sérieusement. Donc on attend qu'elle s'en aille. Au couteau ? Ah oui, bien sûr que tu peux prendre... Enfin, en particulier, bon, moi, le seul boss que j'ai fait, c'est Jack. Donc évidemment que tu peux prendre la tronçonneuse. Parce que, alors là, si tu arrives à l'avoir au couteau, c'est pas une statue en pâte à modeler que je mets sur mon bureau. C'est deux. Non, c'est pas possible. En normal, pas en facile. Tu crois franchement que ce serait possible ? Bon, t'es reparti ou quoi ? On y va à fond, on le passe à côté. Allez, salut, pousse-toi. Adios. Poussez-vous les mouches ! Elle s'est coincée les doigts dans la prise ou quoi ? Je suis presque mort. C'est d'une tristesse absolue. Mais nous avons l'habitude. Alors, la meilleure technique pour buter ces machins, est-ce que c'est au fusil ? Parce que quand on le faisait avec les injecteurs, là, ça cramait quand même pas mal de... Ça cramait quand même pas mal de... Comment ça s'appelle ? De fuel, quoi. Donc là, on va passer là. Après, je suppose qu'on va pouvoir tirer sur un câble qui va faire monter un truc qui va nous permettre d'aller de l'autre côté. Ouh. J'aimerais bien avoir de la dynamite. Deux statues et tu écriras une lettre à Capcom t'excusant de dire que le jeu est scripté à mort. Et ok, je tente. T'es un fou, franchement. Ce serait fou, ça. Mais j'aimerais bien m'excuser d'avoir dit tant de méchanceté sur ce jeu. J'aimerais tellement, en fait. J'aimerais tellement que le jeu ait duré une heure et qu'il se soit arrêté quand on se fait attraper par les Baker. J'aurais tellement aimé. Bon, allez, bouffez-moi que je prends ça, là. Donc, il faut buter ça, là. Voilà. Ici, on peut pas l'avoir. Hein. Bon, on va le laisser mourir. Ici, on peut pas l'avoir parce qu'on est trop loin. D'accord ? Mais si on se met à la même distance de l'autre côté, mais à la même distance, on peut. Parce qu'en fait, quand on est sur le pont, il y a un mur invisible qu'on voit pas, qui bloque les balles. Faut le savoir. Une fois qu'on le sait, tout va bien. Ah ah! Ah! En fait, j'ai ramassé ça. Alors là, va lancer ses merdes. Pour la suite du jeu, je pense que... je le ferai pas. Voilà, c'est le dernier live certainement qu'on fait. Je le dis, hein, parce que... Bon, voilà. Allez, je vais mettre un peu de... Je vais être un peu plus cool quand même avec le jeu. Je vais pas dire, je vais juste dire que je l'aime pas. Voilà, je vais pas dire, c'est donc c'est moi qui ne suis pas compatible avec le jeu. Je ne l'aime pas. Elle est partie.
aller voir par là, tiens, tant qu'on est vivant. Touk, 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 bonjour. D'accord, on a fait le tour. Très bien. On pouvait repasser donc par là, très bien. Cours, cours. Alors, ce qui veut dire aussi, c'est que ces trucs-là, enfin ceux-là et ceux qui sont dans l'autre pièce, au final, on n'est pas obligé de les exploser certainement. Ah si, parce que je suppose qu'à la fin, donc à la fin de ce niveau-là, il faudra combattre, je sais pas comment ça s'appelle, il faudra la combattre, pas avant encore une fois, bien à la fin, il faudra la combattre. N'essayez pas de gaspiller pas une cartouche avant, ça ne sert à rien. Il faudra la combattre. Et donc peut-être que là, vu qu'on aura besoin certainement de tourner dans les pièces, quoique non, je pense qu'on sera dans une arène ou un truc comme ça, forcément. Hein. Je pense que ce sera ça. Enfin, si c'est pas le cas, oui, il vaut mieux peut-être les détruire pour qu'on puisse bouger tranquillement. Allez, on va se refaire bouffer un petit peu par les bébêtes, mais c'est pas grave. Tant qu'on court, ça va. Salut ! Lâche pas ! Voilà. Voilà. Là, les ronds. Voilà, les bêtes disparaissent, c'est bon. Oh, Marguerite! Du coup, avec mes sèves à la bête, je ne sais plus où j'en suis. Mais non, c'est pas moi. Donc, on va refaire le. Et puis, on va essayer d'avancer, promis. Tiens, je vais essayer de ne pas parler pendant 3 minutes et de me concentrer plutôt sur le jeu. Ah, ça va vous faire du bien. Donc, ce que je vais aller faire là... Ah bah non, j'avais dit que je me taisais. Lol. En fait, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Hein, c'est compliqué pour moi. Mais je crois que ce qui me bloque maintenant, c'est que j'ai pas envie de faire l'effort. L'effort nécessaire. Ouais, c'est ça, j'ai plus envie de faire l'effort, c'est pour ça que je fais n'importe quoi, les amis. Donc vous avez vu que là, donc on est à 2 mètres, mais on tire dessus, ça fait rien. Hein. Faut être à 2 mètres, mais de l'autre côté. Donc on va attendre que les mouches là disparaissent, on va faire le tour. Disparaissez les mouches. Vous voulez pas? C'est pas gentil. Peut-être que si je ferme la porte, elles vont dépoper. Moi, je peux pas la fermer. Je me cache, je suis plus là. Je vais créer une nouvelle chaîne, en fait. Une chaîne... Gamer Raller. Il faut trouver des concepts. Il faut trouver des concepts. Ah, j'ai oublié de ramasser les munes. Alors, bien que... Mais quelle connerie, c'est pas possible. Bien que donc on envoie une flamme sur toutes les mouches, il n'y en a pas plus de 3 à la fois qui brûlent. Les autres passent entre les flammes, faut le savoir. C'est pas fait pour être réaliste. Non, bah non, vous croyez que c'est un environnement réaliste? Vous croyez que ça peut arriver ce qui est en train d'arriver là? Mais non! Je vous le dis, c'est pas possible! Vous fatiguez pas sur les mouches, non, ça sert à rien. Oh, bah attendez, je suis pas prêt! Voilà, comment on tue les mouches? Tourne la manivelle et la bobine. Oh, ben on n'a pas la manivelle, on est embêté. Est-ce que je peux sauter pour me noyer? Non, même pas. Ben ouais, je suis comme une de tes ex. Non, mais j'essaye, en fait, parce que quand même, qu'on trouve un intérêt, enfin un intérêt, que cette expérience qui serve à quelque chose. Et donc j'essaye de comprendre. C'est intéressant. J'essaye de comprendre. Parce que là, c'est clair que je fais le con. Mais si je fais le con, c'est parce que j'arrive pas à faire d'efforts.
Et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire. Enfin, je comprends pas. Je cherche à savoir pourquoi je fais pas d'efforts. Peut-être qu'en faisant quelques efforts, je finirai par arriver à retrouver le plaisir que j'avais au début. Alors là, contrairement aux mouches, par contre, on les crame toutes d'un coup. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Salut Mamie Tromblon, bah tu m'as pas vu, c'est vrai que t'es sourde en plus. C'est pas Mamie. Ah, c'est pas Marguerite qu'elle s'appelle. C'est Marguerite qu'elle s'appelle, elle, c'est pas ça? Il me semble que j'ai vu ça. Dans la famille, la présentation de la famille Baker. Marguerite. Bon, pendant qu'elle se casse, on va voir ce qu'on peut bricoler. Non. Des munes, oui. Et ça aussi, allez, ça pourra servir, vu qu'on est presque dead. T'es toujours là, Marguerite? Ah oui, mais de toute façon, tu fais l'aller-retour, c'est ça ton script? Ok. Ah, ça, il y en avait 10, il y en avait 3, il y en avait... Voilà. Donc, faut qu'on retourne là-bas pour aller chercher... pour aller chercher quoi? Ah oui, des recharges pour ce machin-là. Je vous propose qu'on y aille comme d'hab en courant. On va lui passer au travers, c'est pas grave. Faut pas qu'elle soit dans le couloir, c'est tout. Bah, de toute façon, s'il n'y a pas de changement de gameplay, si on revient pas à quelque chose moi qui me plaisait mieux comme au début, je cherche à comment faire l'effort. Parce que c'est quand même censé être un plaisir. Donc c'est difficile de se dire on va faire un effort. Mes parents, je me souviens plus où ils étaient. Je les ai pris ou pas? Je sais même plus. Ben oui, je les ai. Ah, mais j'étais persuadé. D'accord, j'avais pas compris. Je croyais que ça, c'était en fait des recharges. Ok. J'avais pas capté. Désolé. Donc, qu'est-ce qui nous manque, là? Il nous manque une espèce de manivelle. On l'a pas, l'espèce de manivelle. Pour faire tourner le truc, là-bas, pour que ça descende. On pourrait prendre des psychostimulants un petit peu, on pourrait se droguer. Alors ça, je l'ai vu tout à l'heure, je me souviens un peu où non plus. Si j'avais pas une mémoire d'escargot, ça irait mieux. Vous avez entendu le croco? Une sève ou pas? Je me souviens plus où je l'ai vu le truc là. Elle arrive, je sais pas où elle fait demi-tour dans le script. Elle doit sûrement arriver jusque là quand elle vient, non? A priori, elle est sur la droite. Il y avait quelque chose là-dedans? Où elle est la statue? Je l'ai vue tout à l'heure. Déca, vous n'avez plus assez de tête à vous traverser? Ben oui, Pécasse! Ah, bah de toute façon, j'ai pas d'autre choix donc que de retourner faire de la place. Il y a un truc bizarre au sol là.
Alors, qu'est-ce qu'on va jarter? Ça doit servir donc à foutre le feu à quelque chose. Bon, pour l'instant, comme je ne sais pas à quoi ça sert, on va le dégager. Les crochets, on va les garder. Les stéroïdes, pourquoi pas. Faut encore qu'on fasse de la place, pourtant. Oh oh! Du combustible, ah bah voilà. On va faire du combustible. Pourquoi je peux pas faire de combustible? J'ai du fluide chimique. Ah bah... je l'ai reposé. Je suis couillon. Donc là, on peut... Ok. Ça, c'était quoi? Des grenades incendiaires. Oh, ça, ça a l'air cool. Si, j'arrête pas de râler, mais j'arrête en mode... Je râle en mode ASMR, calmement. Mais voilà. On va essayer de moins râler. Pas forcément de jouer plus... Mais j'ai toujours pas fait assez de place, moi. Ah, oh, mais quel imbécile! Qu'est-ce que je peux dégager là-dedans? Munition contenant plus de poudre. Est-ce que c'est intéressant de faire ça? Qu'est-ce que... Non, je crois que pour moi, il vaut mieux de la vie. Hein. Ah, je peux m'en faire un. Non, je peux pas. Donc ce que je disais tout à l'heure, quand il y a le plus, c'est qu'on l'a pas, c'est pas ça. Hein. Donc là, j'ai deux emplacements, il faudrait que je m'en libère encore. On va aller chercher les cartouches, puis on reviendra là, on ira chercher autre chose, on reviendra là, ainsi de suite. Donc, T-Web, je sais pas s'il est là, mais il est parti refaire le jeu en se servant que du couteau. C'est un fou. Voilà. Sauf pour les boss. Donc, je cours. Elle est là, à ma droite. Non, elle est là. Ok. Donc, elle va par là. Donc, elle est un peu sourde. Hein. Ouais, bah, elle va revenir. Donc, on va attendre qu'elle passe. Ouais, je dois être mieux des six karma. Salut à toi. It's a French stream. You can speak English, but... Donc, je rappelle, hein, pour la 20e fois, ça sert à rien d'essayer de la combattre. Elle n'est pas... C'est pas ici qu'on doit la buter, c'est à la fin. À la fin de ce niveau-là. Donc, on se contente de l'esquiver. Hello. On va prendre quelques cartouches. Bonjour, bonjour. C'était où que je l'avais vu cette... Ah bah c'était par là. La statue. Mais va me dire. T'attends que j'ai fini. Que j'ai fini le jeu, mais t'es fou. Vous n'avez plus de... Mais si, j'ai de la place dans mon inventaire. Mais c'est magnifique! Allez, maintenant, on va aller mettre la statue dans le... Faire la petite ombre. La magique ombre.
Donc là, je pense que le but, c'est de se mettre au mieux. Est-ce qu'elle va avoir une arme spéciale, elle aussi, mamie, machin là. C'est pas mamie, pourquoi j'appelle mamie? Je suis resté bloqué sur mamie, moi. Ah, puis la statue, allez, je vais essayer de deviner, tiens. La statue va nous ouvrir un passage qui va nous permettre d'avoir la manivelle. La manivelle va nous permettre ensuite... T'es dit, poutre de camp ! Oui. Viens à moi ! Va nous permettre ensuite... Vous n'avez plus assez de place dans votre inventaire. C'est ce que j'ai entendu le plus souvent. Qu'est-ce que je peux bricoler là-dedans ? Ça ? Non, non. Pourquoi est-ce que là, par exemple, il y a un plus sur le fluide chimique ? Là, il n'y en a pas. Ah, mais c'est parce que c'est des... À quoi ça correspond ? Ah, parce qu'il est plus. Il est plus fort. Ah, d'accord. C'est ça. Ah, peut-être bien. Peut-être bien que c'est ça. Ah ouais. Ah bah, je sais ce que je vais faire. Donc là, normalement, ça m'a libéré un emplacement qui me permet... Elle vient dans mon dos, là. Oh, plaisante pas, mamie. Pas avec moi. Super. Et donc là, je vais faire... Je peux faire... Non, je vais pouvoir faire des bombes incendiaires, ok. Ok. Donc, on va aller mettre la statue, je disais, depuis tout à l'heure. On court, on sait jamais si elle est là. Comme ça, on l'évite. Ok. Alors, on se fait Spider-Man. C'est un truc comme ça, non ? Attendez, je vais aller à l'envers, là. On s'en approche, non ? Là, heureusement qu'elle n'est pas à nos basques. Non, je suis à l'envers, là. Hop, c'est comme ça. On va se focusser sur le corps. Puisque... Eh ! C'est pas mal, là. What's a surprise? J'avais dessiné... Ouh, une petite sangsue, mille pattes. Merde, 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 merde! C'est rien, ça chatouille, mais ça fait pas de mal. Oh mon Dieu! Sur le sable, son beau visage... Qu'est-ce qu'il y a pour nous par là-bas? On est passé de l'autre côté. Très bien, on va trouver la manivelle alors. C'est la manivelle qu'on doit trouver, je pense. Bah d'ailleurs, tenez, regardez là-bas. Il y a une autre... Donc oui, ça doit être la manivelle. On peut monter, mais on va pas monter. Parce que donc, monter... Bah, de toute façon, on doit pas pouvoir, on n'a pas la clé. Vu que le message nous dit ne montez pas, elle est là-haut. Ça doit être là-haut qu'elle est vraiment vilaine. Donc on doit pouvoir y monter qu'à la fin. On a toujours rien, là. Donc, bah, c'était pas la manivelle, hein, moi, qu'elle soit ailleurs. On va chercher. Petite manivelle. Ah, bah, peut-être là-dedans. Allons voir ça. Manive, manivelle, où es-tu, ma petite manivelle? Non, quand même pas. D'accord. Alors, est-ce que c'est exactement les mêmes assets ou est-ce qu'on revient à la maison?
des hébreux, ça s'appelle ça. Pas mal. Manivelle. Oh, oh, ça sent la manivelle. Oh, bah. Oh, mais je n'ai plus de place dans mon inventaire. Ah, en fait, ils viennent en surbrillance, c'est ça? J'ai toujours pas pigé, c'est pour ça que ça me... Ouais, ça doit être ça. Là, il manque des trucs, d'accord. Bon, bah, on va retourner faire le vide, puis on va revenir, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est... Ah, bah, là, on peut pas avancer. Ben, non, on peut pas avancer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ça vous plaît mieux là, je râle moins. La prochaine fois que je joue, je prends un Xanax avant. Comme ça, je serai parfaitement zen. Oh. C'est marrant, les animations des trucs sont très saccadées. Je vais pas avoir assez de sous pour faire des animations à plus de 50 images. Ah, oh, ça y est, rural. Ah oui, c'est le concept. Mami. Je sais pas ce qui se passe si elle nous balance ses mouches et qu'on rentre là-dedans, faudrait tester, tiens. Eh oui, voilà, tu vois, il suffit que je reparle de râler et je recommence. Alors. Qu'est-ce qu'on va dégager? Bon, en fait, maintenant que j'ai des psychostimulants, on va peut-être finir par en utiliser, non? Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin tout de suite, a priori? Les crochets, je me les trimballe, je m'en sers pas, quoi. Il n'y a pas grand chose à dégager. Hein. Bon. Parce que là, la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on risque d'avoir besoin jusqu'à la prochaine caisse, entre guillemets. Si je peux changer de concept, moi, c'est original, non? Un concept où t'as un mec qui joue et qui râle tout le temps. C'est chiant, peut-être, ouais. C'est chiant. Je sais pas quoi dégager. Ça, je le garde forcément. Bon, je vais dégager ça. Je reviendrai le chercher dès que je trouve un bidule. Parce que... On va en avoir besoin pour le combat de boss, forcément. Du coup, je me demande si vaut mieux que je fasse pour des munes pour mon lance-flammes. Ou... Les espèces de grenades qui donnent... Il faut que je me dégage au moins deux places. Allez, on va dégager les crochets. J'en utiliserai bien. Merde, il va crever en plus. J'utiliserai bien le crochet sur le truc là-bas. Quand il y a dans la pièce, là, un peu plus loin. Ah, pour ouvrir le tiroir. Alors, on peut cheater aussi. C'est pas terrible. C'est-à-dire d'aller ouvrir et puis s'il y a rien, bah, on save. Ah, j'ai pas fait de save d'ailleurs, je peux en faire une petite maintenant que j'ai ma... Bah, ouais, si on va en faire une petite. Bon, pourquoi je râle moins aussi? C'est parce que là, voilà, j'ai compris en gros qu'on risquait rien de mamie tant qu'on l'approchait pas et qu'on peut faire ce qu'on veut tranquillement. Donc voilà, ça me saoule un peu moins de pouvoir jouer et pas avoir le jeu imposé par le jeu. Hé, qu'est-ce qu'il dit? Et rien. Qu'il peut jouer là comme il veut. Ah d'accord. Ouais, je vais tout ramasser. Dans les choses à ramasser, donc il reste éventuellement un truc dans le tiroir qui est là-bas, là dans la pièce là-bas. Il reste la manivelle qu'on va aller chercher tout de suite. Tourne la manivelle et la bobinette. Par contre, l'idée du Xanax, c'est peut-être pas mauvais comme idée. Hein.
Donc une heure avant de jouer, vous avez dit que c'était le dernier, je vais peut-être retenter un coup, tiens, après. Enfin, pas aujourd'hui, mais demain. Je vais prendre un petit Xanax une heure avant. Et après, je jouerai, ça ira bien. Mince, on n'a pas le droit de parler de ce genre de choses, je pense. Je vais me faire ban. J'en ai pas, c'est pas vrai, de toute façon. C'est pour rire. Messieurs les censeurs. Couché. La manivelle, elle doit bien... Oh, mais dis donc, il y a un géant qui habite ici. Ça me paraissait énorme, la pompe, vue de là. C'est vraiment dommage qu'on puisse rien en faire de la tondeuse. Ça aurait été fun, quand même. Combien nous prend de place? Qu'une. Est-ce qu'on avait vu autre chose? Je me souviens plus. Tourne la manivelle et la bobinette, chère. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais pas invité. Ah ouais, d'accord, c'est parce que j'ai pris la manivelle, donc ça fait popper les trucs. Okay, donc, cette celle-là, elle doit permettre de lever un espèce de pont. Donc, d'après ce qui semble être, il est fort possible que le combat de boss... Parce que là, en fait, parce que a priori, à quoi ça sert? Puisqu'on peut y aller en face en faisant le tour, à quoi ça servirait de lever un pont, si c'est ça? À quoi ça servirait de buter tous les espèces d'essaims vu qu'on peut passer à côté sans? Donc à mon avis, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le combat de boss, quand le moment sera venu, quand voilà, ce sera le moment, et qu'il faudra que Marguerite, puisque je crois que c'est son prénom, nous attaquera vraiment, elle nous poursuivra dans la maison. Et donc il faudra qu'on se déplace rapidement. On mise là-dessus, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça, on va voir ce que ça fait là, si ça ouvre... par contre, j'espère que je vais récupérer la manivelle. Je suis en train de penser. Si ça lève un pont... C'est ça, même. C'est ça, même. Donc ça nous donne a priori pas grand-chose, comme je disais, puisqu'on peut faire le tour. Mais par contre, ça va nous permettre de ne pas être bloqué, par exemple, ici, quoi. On n'aurait pas été bloqué, puisqu'on aurait pu aller là, et là, nous aurait pas suivi. Donc, mon hypothèse est peut-être mauvaise. Je ne sais pas. Mais Deus Ex, ouais, non mais Deus Ex, je viens de finir le pro. Enfin, j'ai fini le premier il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai encore des épisodes à mettre en ligne. Je suis en train de penser. Je vais les faire dans l'ordre, bien entendu. Donc, on va aller ouvrir l'autre. Ben, on va peut-être. Est-ce que c'est plus rapide par là? Ah, c'est l'entrée, ouais, c'est ça. Donc je sais pas à quoi ça sert, en fait. C'est dans la salle à manger, ouais, qu'il nous reste un truc. À quoi il peut bien servir ce ponton, alors? Donc là, il y a un truc que j'ai pas fait, que je vais pas faire pour l'instant, parce que je sais pas si ça sert à quelque chose de le faire. Donc on va retourner dehors. On va monter quand on aura tout fait. Deus Ex, j'ai fait l'autre d'avant, le dernier, je me souviens plus comment, Human Revolution. J'ai pas fini d'ailleurs, faudrait que je le finisse un jour. Mais voilà, c'est comme les séries, bah comme Mass Effect, je les reprends au début pour les refaire. Là, le problème, c'est que j'aurais envie de jouer à Andromeda avant, bien entendu, d'avoir fait tous les autres. On verra. Non, je vais persévérer un peu. Dans... Je veux retrouver le plaisir de jouer à Resident Evil. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi il y a ça. Ne me demandez pas. C'est comme ça. Donc là, je peux dépenser du combustible. Je peux courir. Ça ne devrait pas me faire trop mal. Ils vont pas me suivre bien loin. Et en plus, ça répondra à une question qui est... Est-ce que...
Est-ce que si je les sème, est-ce qu'ils vont revenir là ou est-ce qu'ils vont disparaître? On va voir. J'étais en train de me demander, mais t'as fait la sauvegarde pour dire. Donc on va tenter la course pour voir. Pour voir si il nous course. A priori non. Coucou mamie, sa biche. Tu l'as déjà dit mamie. Mais l'appelle pas mamie. Oui, oh. Donc on en a un gros là-bas, par contre je vais bientôt être mort moi là. Hein. Donc on va buter le gros, on va faire la manivelle ici. Arrive-toi. Je suis là. Bébé. Continue à te faire rôtir les ailes, mon petit. Bientôt, tu rôtiras en enfer. Très bien. Un des jeux récents que... J'aimerais bien... Attendez. Faire. Peut-il faire une phrase en moins d'une minute? Bon, le seul truc quand même, c'est que ça me donne envie d'aller. Ah, vous avez vu au-dessus? On peut pas aller, non? D'aller en Louisiane. Où aller, mamie? Bon, moi, j'ouvre les portes et je tourne le dos. Même pas peur. Ouh, un coffre secret. Waouh! Ouh, mais il y a l'air d'y avoir plein de choses par là. Allez, on ferme la porte. Ah non, on peut pas. C'est ouais, je finis ma phrase, au fait. C'est Dishonored 2. Une clé corbeau qui va... Ça y est, le moment va être venu d'affronter... D'affronter mes mères. On tire la chiasse. On peut pas prendre la corde. Alors, comment on peut pas prendre la corde? On va se bricoler un truc. Allez, tiens, tu vas me spoiler un petit web. Quelle est la meilleure arme? Parce que là, donc, je suppose que ça va être le combat de boss et je vais devoir buter mes mères. Qu'est-ce que je ferais mieux de faire, là? Qu'est-ce qui va m'être le plus utile? Sachant que je n'ai plus de cartouches pour le fusil. Je pense que ce avec quoi je vais m'en sortir le mieux... De toute façon, ça, je peux pas le faire, c'est ça. Ça, je peux pas le faire. Ça je peux pas, ça, bah, je peux rien faire. Donc on va aller, on va retraverser. On va aller revider un truc dans la benne, Marcel. Bon, je vais, est-ce que je les ai là mes crochets? Non. Alors, je vous explique. On va à la caisse, là-bas. On dépose la clé, puisque la clé on en a besoin que pour monter là-haut. On dépose la clé. Je prendrais bien un psychostimulant. Lance-flamme et pompe. Mince, j'ai plus de cartouches pour le fusil à pompe. Mince, mince, mince. Les bombes incendiaires, ça sert pas. Enfin, ça pourrait servir. Bon. Alors, vu qu'il nous faut des cartouches, on a peut-être une option, c'est de prendre des psychostimulants pour récupérer... Oui, mais non, pour l'instant, ça sert à rien, vu que j'ai pas de place dans mon inventaire. Donc, on va à la caisse. On vide un maximum de choses. On prend des psychostimulants. On fait le tour à fond les gamelles. Et on essaye de repérer ce que j'ai pas ramassé. Pas forcément les ramasser tout de suite. On les repère. Faudra s'en souvenir. Puisque ça va avoir une durée de vie limitée, le bitonio. Donc je l'ai vu passer sur la gauche.
arrive, non, ça arrive. Donc on va attendre qu'elle passe. Hé hey, coucou. 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 On pourrait utiliser un crochet pour regarder. On va prendre un crochet aussi pour rincer jamais, c'est peut-être des cartouches. En fait, j'aurais pas dû... Enfin, c'est trop tard, hein. J'aurais pas dû flinguer les essaims. Là, on... Là, il y a un truc qui m'a fait un crochet. Sans le fusil à pompe, c'est peine perdue ou... Enfin, pour moi, surtout. Allez, on va courir entre les mouches, vous êtes prêts? 1, 2... Tu n'as rien à faire ici, mon garçon! Je ne suis pas là, qu'est-ce que tu racontes? Avec le lance-flamme et le pistolet... Elle est pas dure! Comment il me met la pression? Comment il me met la pression, le vilain? Elle est pas dure quand t'as trouvé comment la buter? Peut-être pas. Mais elle est au moins aussi dure que... Que monsieur, non? Allez, on y va. Elle est peut-être dans le couloir, mais tant pis. Casse-toi! Donc, on va faire cette technique-là. Donc, bon bah déjà je peux me faire de la place en lâchant le fusil à pompe pour l'instant. Puisque je vais pas m'en servir. On fait ça. On fait on se libère au maximum. On fait ça, ouais, allez d'accord. Les stéroïdes je vais les garder quand même. Ça, hop. On va prendre des psychostimulants. Ce qui serait bien aussi de trouver, c'est les produits chimiques pour pouvoir faire des munes, parce qu'au pistolet, j'ai que 8 balles. Ah non, j'en ai 15 là en bas. Ok, ouais, ça va être léger quand même tout ça. Je vais reprendre un crochet. Où sont les crochets? Donc... Première mission. Non, monsieur, t'es pas dur. Non, mais c'est pour ça que je te dis, quand tu dis elle est pas dure, je te dis oui, elle est pas dure comme monsieur. Donc là, on va ouvrir le... Je vais faire une save. On va ouvrir... Le... Comment ? Le tiroir qui est au bout. Donc maintenant on a ça à chaque fois. Ok, d'accord, super. Là, dans l'état actuel des choses, je n'ai que le lance-flamme. Hein. Faut bien se dire ça pour la combattre. Donc j'ai pas le fusil à pompe, parce qu'il me reste 2-3 balles. Et idem pour... comment ça s'appelle? Pour le pistolet, il me reste 2-3 balles. Ce sont... Même pas peur.
Allez, bouge. Déception. Enfin, ça me sera utile, hein. Donc, on prend les psychos. On pourrait les prendre de dehors. Comme ça, on verrait ici et là. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait un autre truc que j'ai pas pu ramasser, au fait. Allons le chercher tout de suite. Puisque c'était la pièce antique. Ouais. C'est pas ce qui nous sera d'une grande utilité là non plus, mais bon. Allez, on va se mettre là sur le truc pour optimiser l'usage des psychostimulants. Donc là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Pousse-toi, mamie! J'espère qu'elle est pas là, cette... Mais on a tout ramassé ou quoi? Oh la vache, on a tout ramassé. Je vois rien. Ah là! Qu'est-ce que c'est? Du combustible, cool. Là-bas. Là-bas, il y a deux trucs par là-bas, il y en a un là-bas. Munition 44 magnum, mais j'ai pas de 44 magnum. C'est de l'autre côté. Il était où le 44? Si je l'ai trouvé, qu'est-ce que j'en ai fait? Je m'en souviens plus. Je sais pas ce que je ramasse, hein, on verra plus tard. Il y a un truc qui était derrière sur ma gauche là. Allez, passe! Qu'est-ce que j'ai fait du magnum? Il est dans ma caisse? Sûrement. Oh, c'était pas le pain qui était cassé? Dépêche! Là, il y a un truc. Oh, mamie. Bon, vous y penserez là en bas, il y a un truc. Donc, il me reste un truc à peu près par là. Ça doit être dans le salon. Ok. Par là, il n'y a rien. Non. Où elle est? Qu'est-ce que c'est? Ça va m'aider de devoir... Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je l'ai. Très con ce que je viens de faire. Ah d'accord, allez, casse. Donc évidemment, ça va être chaud à attraper. Il y en a un dans la caravane. Ça me dit quelque chose, hein, donc j'ai dû le prendre. Il est peut-être dans ma caisse. Ou pas. Donc il y avait autre chose par là. Ouais, c'est ici qu'il y a quelque chose, mais il faut qu'on se fasse ça et je vais pas dépenser encore plus de mun pour ça, quoi. Hein. Et d'ailleurs, quelque chose dans la caisse, dans l'armoire blindée. Mais je vais pas... si c'est dépenser 50 balles, je sais ce qu'on peut faire. Si c'est dépenser 50 balles pour en récupérer... Enfin, 10 balles pour en récupérer 5, ça va pas non plus être... Ça va pas forcément être intéressant. Pardi. On va
Voyons dans la caisse. Email, permis de conduire, boîte de fourniture, photo, psycho, machin, kit de réparation, pistolet cassé. C'est pas... Non, c'est pas ça. Hein. Ok. Crochet, fusil, clé, manivelle, combustible, herbe. Oh merde, non. C'est la med. Comment on va faire? Donc, bah du coup, pourtant ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais non, bah enfin, je l'ai pas. Alors, on va, on n'a pas de trucs chimiques, donc on ne peut pas faire. On a ramassé, c'est cool, des combustibles et compagnie, mais on n'a pas de produits chimiques. Donc là, on a, faisons court, mais faisons bien. On a 4 cartouches de fusil à pompe, 8 cartouches pour le pistolet, 10 combustible. On est pas mal en combustible. Je vais prendre l'herbe et la poudre à canon. La clé, bien sûr, sinon je peux plus ouvrir. Moi, j'ai d'autres psychostimulants là. La pièce de défense, faudrait peut-être que je la prenne, donc faut que je gicle autre chose. Mais je vois pas du tout quoi gicler. Bah si, non. Je pourrais presque gicler le combustible solide. À mon avis, qui n'est le que le mien, voyons. Je pense que on va monter là-haut. On va voir, de toute façon, je vais faire une sève, on va monter et puis on verra bien. De toute façon, moi, ça va être l'heure d'arrêter là. Mais je pense que là, à partir du moment où on va ouvrir la porte, le vrai combat, donc avec elle, là, va commencer. À partir du moment où le combat va commencer, je pense que de toute façon, il sera plus le moment de crafter des combustibles, enfin, de les récupérer déjà. Et puis, bon, on y va comme ça. On y va comme ça. Donc là, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Là, je vais juste voir, je monte et point à la ligne. Ou alors, ce que je peux faire, c'est retourner vite fait la caravane et sauvegarder de la caravane et m'arrêter là. Et comme ça, on récupère le magnum. Ce serait pas con, ça. Est-ce qu'on peut y retourner à la caravane? Sûrement. J'ai quand même envie d'aller voir là-haut chez mamie. Bon, allez. On va voir là-haut chez mamie. On va se faire démonter. Enfin, chez mamie, mais chez mes mères. On va l'appeler mes mères. On va se faire démonter. On reprend la sève, on va à la caravane. On pourrait faire ça. Bon, par contre... J'arrive. Je vais vous aider à vous approcher d'ici. Alors non, c'est pas ça alors. Là-haut, ça doit être la sortie. D'accord, et ça, c'est la reine. Comme d'hab, quoi. Très bien, petit. Ça sert à quelque chose, là, où je dépense mes mines pour rien? Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois que j'ai dépensé des mines pour rien, là. Donc là, je sais pas ce qui m'a fait tomber, mais ça m'a fait tomber. Je peux te sauver, Manigou.
Mais non. C'est la blague habituelle. Elle meurt sans mourir. Ah, je peux pas monter. Vous inquiétez pas pour elle, elle n'est pas morte. Mais non, elle n'est pas morte. C'était un faux combat de boss. C'était un faux. C'était un faux. Le vrai, il va avoir lieu là. Hein. C'est exactement le même schéma qu'avec l'autre. Ah, mais j'ai plus assez de place. Chiotte. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Je suis un peu embêté, là. Qu'est-ce qui est écrit, là? Zoé, tu as encore essayé de t'introduire à l'étage, n'est-ce pas? Tu pensais que je ne le verrais pas? Même après ce qui est arrivé à Evelyne, tu continues de parler de ce foutu remède. Le fameux remède, hein, puisqu'on est là, c'est pour ça. Hein. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec mon hôtel? Tu ferais mieux de ne pas mettre tes sales pattes dessus. Personne ne touche à mon hôtel sacré. Tu nous prends pour des imbéciles, ton père et moi? Tu n'es qu'une sale petite ingrate. Je regrette de t'avoir mise au monde. Toi qui es une moins que rien, comment oses-tu nous mépriser et essayer de quitter notre maison? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ingrate, ingrate, ingrate. Si jamais tu t'avises de toucher à mon hôtel, je te promets que je te découperai la poitrine et que j'en ferai un rôti. Alors, eh bien, je sais ce qu'on va faire. On va aller au bungalow. Est-ce que vous croyez que là va repopper? Parce que là théoriquement, si je me rebalade dans la maison, elle va pas revenir. Bon, de toute façon, non, je suis bête. Je l'ai dit moi-même. Elle n'est pas morte. Enfin, elle n'est pas morte. Elle ne meurt pas, de toute façon, mais... je pourrais prendre un psycho... Un psycho machin. C'est marrant, là. Je cours super vite. Donc, on va essayer le magnum qu'on a oublié. Il doit être par là. Ça me dit quelque chose. Par là, non, c'était pas ça. Ah oui, d'accord. Il faut 9 pièces, on ne les a pas. C'est le problème. D'accord. Combien on en a de pièces en tout? Je vais aller voir en allant là. On n'a plus qu'une? Bah oui, non, on n'en a pas assez. Alors, je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Donc... Est-ce qu'on faut qu'on fabrique du carburant? On peut ou pas? Non, on peut pas parce qu'il va nous manquer, mais on va le récupérer là-bas. Très bien. Donc faut qu'on parte. Ça, on est obligé de le garder. Ça aussi. Ah la vache, je ne sais pas quoi lâcher. Le fusil à pompe. Je vais lâcher le fusil à pompe. Vu que j'ai plus qu'une cartouche. C'est ce qui me paraît le plus raisonnable. De toute façon, je vais pas lâcher les potions de soins. Alors, je le récupérerai après. Ouais, c'est ça. Ok, je vais aller faire... Je vais aller faire du carburant. Je vais faire le plein. Et après, je récupère le fusil à pompe au cas où. Allez, on retraverse. On se retrouve là-bas. Bah. Attendez, j'ai les yeux... crotteux. Il n'y avait rien là-dedans, c'est bizarre. Bon bah comme ça va être très bien. Puisque
jusqu'à la prochaine session. On commence direct. Sur un combat de boss. C'est pas fou ça, les amis? Ne ratez pas. Ça risque d'être fun. Donc maintenant, on peut se refaire du fluide. Donc je pense qu'on va faire ça. Oui. Voilà. Donc je retourne. Tu as envie d'ouvrir à vous? Oh oui, j'ai envie d'ouvrir, c'est vrai. Je le reconnais. Bon, petit bilan de cette session. Je l'ai commencé en ayant toujours la rancœur que j'avais hier. Ce qui a fait que le début s'est passé un peu en mode... Ouais. Après, ça a été mieux. Cette phase de jeu était mieux, je trouve. Bon, là, par contre, il va sans dire... que le début de la prochaine risque d'être mouvementé. Par contre, non, je vais reprendre le fusil, j'avais dit. Risque d'être mouvementé, mais bon. Le jeu est remonté un petit peu dans mon estime. J'ai presque envie de continuer. Là, d'ailleurs, ça se voit puisque je n'arrête pas alors que ça fait 10 minutes que je dis « faut que j'arrête ». C'est bon signe, peut-être que ça va revenir. Peut-être que ça va revenir. Prions mes frères pour que le combat qui va arriver... Bah que le début du live, voilà. Ça fait 1h42 la première heure à peu près. Non, même, je sais même pas si ça a duré la première heure. Allez, je vais ouvrir pour le fun. Pour voir de quoi il retourne. Oh, on va se garder la surprise, donc ça sert à rien. Ouais, faut mieux que je me garde la surprise, parce que si j'ouvre la porte, je vais me faire défoncer. Et du coup, je vais pas être très chaud pour m'y remettre. Alors, pourtant j'ai envie, quoi. J'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir là ce qu'il y a. On ouvre, on pousse juste la porte. Et puis on s'en va. D'accord. Je me suis planté de clé, j'ai pris la clé scorpion. Nye, débile. Je suis bête. Bah c'est un signe. C'est le signe qu'il faut pas que je l'ouvre. Tout de suite. Non, ouais. J'espère que ça va durer comme ça. Il faudra absolument que... Donc, je pense le faire demain après-midi. Pareil, aux mêmes heures, hein, vers 16-17h. Il faudra absolument que je dorme bien cette nuit, que je sois zen, calme. Et... Tu seras là, T-Web, demain? Parce qu'au pire, tu me fileras quelques tuyaux si je galère. Enfin, tu pourras pas, à mon avis, il y a pas grand chose à savoir, tu me diras. Si ce n'est but là. Ouais, je vais continuer quand même. Là, oui, parce que là, je remonte un peu la pente, entre guillemets, je reprends un peu de plaisir à jouer là. Donc voilà, peut-être que c'était un mauvais passage. Vide grenier demain matin. Tiens, mais oui, je crois qu'il y en a aussi. Hein. J'en avais vu un. Tu sais, j'aimerais bien faire un tour vide grenier moi aussi demain matin. Ça me manque aussi. Là, c'est la galère ici. Il n'y a rien l'hiver. Bon, le problème, par contre, c'est qu'il doit y en avoir qu'un, je crois. Et du coup, bah, tous les affamés comme moi vont y être. Donc, soit...
Bah, je vais voir aussi exactement. Très bonne idée, je te remercie pour l'idée, j'y pensais plus et j'avais vu ça la semaine dernière. Allez, on ouvre la pop-porte. Et on se quitte là. Et si, ouais, si demain matin, si je fais pas vide-grenier, on se fera un petit Skyrim pour ceux que ça intéresse. Là, au moins, un univers zen. Attention! Attention! J'y vais au couteau, moi, j'ai pas peur. Bon, je suppose que ça va bouger dès que je vais passer la porte, un peu de chaud. Enfin, non, peut-être pas. Mais bon, on se garde la surprise. Pour Domingo. Donc, on se dit demain. Alors, attendez que je réfléchisse. Demain après-midi. Ouais, ce sera plutôt comme ici, vers. Un petit peu avant 17h. Parce que, comme les enfants aussi sont bien malades, ils font la sieste assez tard. Et quand même, que je leur fasse un petit coucou, que je passe un petit peu de temps avec eux. Avant d'aller m'enfermer dans la nuit. Donc, pour ceux qui veulent du Skyrim, demain vers 10h30, on dit une petite heure, hein, comme tous les dimanches matins, une petite heure au frais dans les montagnes, ça va nous faire du bien. Et demain, vers un petit peu avant 17h, je redonne une chance au jeu. Je me redonne une chance aussi, car comme je disais dans l'épisode d'encore avant, où j'étais vraiment encore plus énervé, ce qui m'énerve le plus, c'est de ne plus l'aimer. Donc j'aimerais... je reparle encore comme une de tes ex, c'est ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, avec un peu de lumière, ça va mieux comme ça. Faut pas que je juste mes piles pour... J'en aurais peut-être besoin pour demain matin, du coup. Et à demain, donc matin ou après-midi. Allez, et salutez.